Dans cette partie de générique, vous allez pouvoir aussi incruster un son sur votre partie vidéo, parce que c'est peut-être un petit peu plus intéressant d'avoir un son plutôt que d'une vidéo où il ne se passe rien. Donc vous pouvez cliquer sur importation. Sur importation, vous avez soit vos sons, vos propres sons, vos propres musiques, ou vous avez justement Magix qui vous a installé dans vos médias, movie, show, musique. Donc vous avez tout un tas de choses que vous pouvez incrémenter directement. Vous pouvez cliquer ici pour la lecture. Choisir votre son directement, le son qui vous intéresse ou la musique qui vous intéresse. Donc vous allez, par exemple dans latin, vous avez plusieurs musiques. Par exemple Rio de Janeiro. Par exemple, si cette musique, voilà, si cette musique vous intéresse, il suffit de prendre la musique, hein, de prendre directement le titre et de la mettre en tant que plage indépendante, voilà, sur votre portion de vidéo. Alors vous voyez, hein, vous regardez bien que ce soit au début, hein, de votre film et cette portion de vidéo qui est assez grande, parce que vous voyez, elle fait quand même, on va dire, 2 minutes 48 et vous voulez à peine 10 secondes. Donc nous allons réduire cette partie, hein, très simplement. Vous pouvez par exemple prendre dans cette partie le réglage en cliquant deux fois dessus. Normalement, vous pouvez régler justement aussi l'égaliseur, le compresseur, FX stéréo. Vous pouvez réduire justement le temps de cette vidéo, normalement. Vous avez, là c'est vraiment pour les nettoyages audio, nettoyer l'audio et en faire une partie d'un nettoyage audio qui soit sur toutes les parties réelles de vos sons. Donc ici par exemple, pour directement sans vous embêter, hein, prendre votre partie audio et de pouvoir la réduire à votre partie vidéo directement. Ensuite, vous pouvez en cliquant ici faire réduire l'extrait ou agrandir l'extrait, parce que là on est tout petit. Agrandir l'extrait, vous voyez, pour pouvoir avoir un petit peu plus de visualisation. Vous pouvez choisir vos deux parties et agrandir pour voir ce que ça peut donner. Alors, il fait lecture, il va lire les deux parties. Vous avez directement donc votre son incrusté. Et si vous voulez, par exemple, sur votre son, diminuer l'effet à la fin, ici, vous voyez, vous avez des petites poignées, vous pouvez diminuer les effets pour que ce soit un effet fondu. Alors, on le voit bien là. Vous avez un effet fondu à la fin. Ici, vous avez un effet fondu, comme on peut avoir un effet fondu sur la vidéo, pour avoir une fin de vidéo plus sympathique. L'effet fondu de la vidéo. Là, ça continue à fonctionner parce qu'il y a un petit conflit justement de matériel entre le système d'enregistrement et le système de la vidéo. Voilà, normalement, ça ne doit pas gêner. Mais voilà comment incruster un son. De toute façon, vous incrustez un son directement et vous avez la possibilité de lire votre son en direct. Voilà pour cette autre vidéo. En complément pour pouvoir ajouter du son directement, hein. Vous avez un son détaché par rapport à votre vidéo directement. Voilà la possibilité aussi de voir un petit peu comment vos vidéos sont placées.